compter sur un partenaire à l'export, c'est certainement, d'une part, un accélérateur pour son développement d'affaires et, deuxièmement, ça va permettre de réduire les risques dans cette aventure qui est le développement de marché extérieur. Un partenaire d'export, c'est extrêmement important. C'est lui qui garantit la pénétration de notre produit dans le marché qu'il représente. Et on bâtit beaucoup, beaucoup notre réseau de commercialisation sur cette base-là. En fait, la difficulté pour les PME de trouver un partenaire d'export fiable, c'est beaucoup en termes de temps. Il faut rencontrer plusieurs personnes pour trouver le bon partenaire. Dans notre cas, on a essayé par nous-mêmes. Ça n'a pas été un succès, donc on fait affaire avec une ressource spécialisée qui fait beaucoup de démarchage pour nous. Intellinox Technologies va dans des salons, des foires, pour exposer son produit. Les gens viennent nous visiter. Alors, on choisit des partenaires comme ça des États-Unis, l'Europe, la Chine. Intellinox veut s'assurer d'avoir un partenaire fiable. Avec un partenaire américain, c'est facile. Si on va en Chine, c'est différent. La mise en marché est différente. La culture est différente. Donc, il faut vraiment y aller par étapes, faire vérifier si le candidat est un candidat solide financièrement, si c'est un bon partenaire. Et là, on a la délégation du Québec, du Canada, beaucoup d'organismes publics qui sont en mesure de nous aider. Première des choses, faire appel aux attachés économiques dans les bureaux du Québec à l'étranger, qui offrent des services de pointe tout en étant encore gratuits aujourd'hui. Déjà, le réseau des attachés a une connaissance vaste des acteurs et des ressources qui existent sur les territoires et qui peuvent facilement établir quels seraient des partenaires fiables. Deuxièmement, il y a plusieurs autres ressources externes qui peuvent conseiller l'entreprise, ne pas s'aventurer là seul. Et troisièmement, lorsqu'on a identifié un partenaire, ne pas hésiter à faire, comme on dit en anglais, un due diligence, à faire des vérifications nécessaires pour s'assurer qu'on a un bon partenaire pour réussir son plan de match. Et à ce compte-là, encore là, les bureaux du Québec et les attachés sont des ressources qui peuvent procéder à cette validation de partenaires.